Alors, ça devait être 7h moins 20, je sors, je déneige l'auto. Et une fois la voiture déneigée, je me suis dit, je vais aller chercher la fraise. Et au moment où je m'avance vers la porte du garage, je vois une avalanche de neige qui tombe du pylône. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. À ce moment-là, je vois que tout part en branle. Et je n'ai pas eu le temps de réagir, faire quoi que ce soit. Je me suis jeté sur ma table. J'étais assis dessus. Et là, le pylône est tombé. Et là, vous voyez par terre, ça a fait un grand arc. On voit encore la trace électrique. Et à ce moment-là, j'ai appelé au secours et mon ami a appelé les pompiers. Et ça a été très très rapide, hein. Ça a peut-être duré une dizaine de secondes. Et c'est dû à quoi exactement? Vous le savez? Dû à quoi? Alors là, franchement, je n'ai aucune idée. Je pense que c'est dû au poids de la glace qu'il y avait sur les câbles. Hein, puisque le vendredi, il a beaucoup neigé et c'était une neige très humide. Et ça a dû geler autour des câbles. Et comme c'est pas parti, ça a dû faire énormément de poids, quoi. Donc voilà, j'expliquerai ça comme ça. Hein, mais... Donc ce matin, avant 7h, à peu près à 7h moins 10, j'étais devant ma maison en train de déneiger. Souvent, j'ai entendu les gros bruits, on dirait un arbre qui s'est cassé ou un pilier de bois qui tombait. J'ai levé la tête et j'ai vu les pylônes d'EDF qui étaient en train de se coucher. Et je me suis vite rabattu dans mon garage et après, j'ai entendu évidemment le bruit des câbles qui se posaient sous notre maison. On aurait dit presque un Ensuite, tremblement de on terre. aurait presque, voilà, ma fille qui était en train de dormir dans la chambre, donc elle avait l'impression qu'il y On avait un était sûr que c'était tremblement de un terre. tremblement de terre. Nous avons tout de suite appelé les pompiers. Et voilà, ensuite nous sommes restés fermés dans la maison en craignant l'amorcement de l'étincelle de courant. On n'a pas le droit de sortir.